Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais continuer c'était pas un cours que j'ai fait la fois dernière. Je vous ai expliqué comment j'ai appris toutes les langues que j'ai apprises. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que je développe un petit peu plus parce que j'ai eu quelques questions et que dans ma vidéo en hongrois, j'ai expliqué beaucoup plus comment apprendre une langue, etc. Donc là, je vais essayer de vous donner plus d'informations. Alors, nous allons déjà commencer par le fait que pour apprendre une nouvelle langue ou pour apprendre quoi que ce soit dans la vie d'ailleurs, il faut être hyper passionné. Si vous n'êtes pas passionné, c'est difficile d'apprendre quelque chose de nouveau. Moi, comme vous l'avez certainement entendu sur ma vidéo, je suis passionné de langue. C'est quelque chose qui m'a toujours attiré, étant donné que quand je suis allé de Hongrie vers la Belgique, je ne parlais absolument pas le français et ça a été pour moi quelque chose de très difficile. Donc pour le coup, pour moi les langues c'est quelque chose de waouh, il faut parler toutes les langues du monde parce qu'il faut que tout le monde me comprenne et que je comprenne tout le monde. Donc c'est pour moi quelque chose de passionnant. Maintenant, si ça ne vous passionne pas, c'est beaucoup plus difficile d'apprendre. Alors je vais essayer de vous apprendre un mot en hongrois aujourd'hui qui est le mot cerise, qui se dit Cseresznye. 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 C'est un mot qui est un petit peu difficile à dire, Cseresznye, mais avec ce mot, je vais essayer de vous apprendre comment moi j'apprends personnellement une nouvelle langue. Donc en fait, je répète le mot fort, les nouveaux mots que j'apprends, je les répète tout le temps. C'est-à-dire, je dis tout le temps Cseresznye, Cseresznye, Cseresznye. Quand j'ai une phrase à dire ou quelque chose, j'essaye de placer mon nouveau mot. Par exemple, je suis allée au marché acheter du Cseresznye. Je suis allée au marché acheter des cerises. L'autre truc, c'est que je parle tout le temps toute seule. Là, je vous parle à vous à travers une caméra, mais en réalité, je suis toute seule. Je me parle tout le temps toute seule. J'ai à chaque fois que je dois essayer de prononcer des mots qui sont un peu compliqués, etc., je parle tout le temps toute seule. Parce que quand dans notre tête, on arrive à dire les mots, c'est une chose, mais en réalité, on n'arrive pas toujours à les prononcer comme il faut. Moi, dans ma tête, parfois, c'est clair, et puis quand j'essaye de le dire, je me dis, ah, c'est pas génial. La prononciation, c'est pas encore ça. Donc, Cseresznye, c'est le mot que vous allez apprendre et retenir aujourd'hui, Cseresznye, et vous allez le dire tout haut, Cseresznye, et vous allez le retenir parce que comme ça vous allez savoir comment retenir de nouveaux mots pour apprendre une nouvelle langue, Cseresznye. Je sais, c'est un mot un petit peu difficile à prononcer parce qu'il y a le R et puis parce qu'il y a le... Enfin, c'est Cseresznye. C'est pas des sons qu'on utilise souvent en français. Et en même temps, je suis sûre que ce mot Cseresznye, vous allez le retenir à la fin de la vidéo. Cseresznye. Donc, pour apprendre une langue, il faut répéter souvent les mots de vocabulaire. Les mots de vocabulaire, c'est ce qu'il y a de plus important. Cseresznye. Alors, il y a aussi le fait de parler tout seul, parler tout haut. Cseresznye. Il faut le dire souvent, avec... beaucoup d'entrain et en s'encourageant, Cseresznye, même s'il y a des gens autour de vous qui vous regardent et qui se disent « Oula, il y a un petit problème là, c'est pas grave, Cseresznye !» Vous le dites et vous faites pas attention aux autres. Moi par exemple, je fais jamais attention aux autres. Quand je parle toute seule, c'est pas grave si les gens me regardent et se disent « Oh, elle, Cseresznye !» Ok, non, c'est pas grave, laissez tomber, vous parlez. Vous faites ce qu'il faut pour apprendre une nouvelle langue et surtout, au-delà de parler seul et au-delà de la passion, il faut aussi tous les jours un petit peu. C'est-à-dire que si on ne fait pas l'effort de revoir un petit peu les mots tous les jours, le cerveau a du mal à les intégrer. Après quelques jours, une fois que c'est intégré, une fois qu'on a répété le mot Cseresznye 5, 10, 20, 30 fois,
Vous le répétez encore 2-3 fois demain, 2-3 fois dans 2-3 jours, et puis 2-3 fois dans 5 jours. Cheresnya, eh ben, quand on vous demandera un mot que vous connaissez en hongrois, vous allez sortir cheresnya, cerise. J'en suis sûre. Au-delà de ça, je voulais également vous dire, au-delà de la passion, de la répétition, il y a aussi le fait de ne pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de parler aux gens et il ne faut pas avoir peur de s'exprimer en faisant des fautes. Moi, par exemple, quand je parle allemand, je fais plein de fautes. Je m'en fous, c'est pas grave. Ça fait rire les gens en plus parce qu'on me dit tout le temps « Oh, t'as un accent super mignon en allemand, un accent français !» Bon, ok, je l'entends pas comme ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir un superbe accent allemand, n'est-ce pas? Mais en fait, pas du tout. Et puis, pour les fautes, tant pis. Der, die, das, tout ça en allemand, pour moi, c'est... Ouais, voilà. J'ai un copain, par contre, qui, à chaque fois qu'il doit dire quelque chose en allemand, comme c'est sa deuxième langue, il est tout le temps en train de regarder pour être sûr que c'est pas faux. Je lui dis, dis-le comme ça. Il me dit, mais non, il faut que je regarde si c'est bien comme ça. Non, non, c'est pas grave. Dis-le comme ça. Et puis, si c'est faux, c'est pas grave. Tant que le mot de vocabulaire, ce que tu veux dire, cheresnya, c'est correct, que ce soit un, une, le, la, les, on s'en fout. Cheresnya. J'insiste hein, pour que vous reteniez ce mot, cheresnya. C'est pour ça que je le répète tout le temps. Mais on s'en fout des fautes. Il faut absolument dire les choses comme vous les avez dans votre tête. Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui est assez sympa que pour vous corriger, ne le prenez pas mal. C'est super cool. Moi, quand on me corrige, j'adore. Je trouve ça génial, que ce soit en hongrois, en français, en n'importe quelle langue. Si je fais des fautes et qu'on me corrige, je suis super contente. Parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et être OK d'être critiqué, entre guillemets, sur la façon de parler la langue, parce que c'est une façon de s'améliorer. Et d'un autre côté, il faut pas avoir peur de répéter tout le temps les mots. Cheresnya, tout haut, devant tout le monde, on s'en fout. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu, et à très bientôt pour un nouveau cours de hongrois. Cheresnya, je devrais plus vous le dire, je suis sûre que vous allez le retenir. Cheresnya. Ciao, bye bye.